C'était l'événement de ce samedi 23 septembre. Après avoir clôturé la troisième édition des rencontres méditerranéennes au Palais du Pharaon, et discuté en tête-à-tête avec Emmanuel Macron, le pape François a conclu ses deux jours de visite dans la cité phocéenne avec une messe votive en l'honneur de la Vierge de la Garde. Véritable point d'orgue de ce déplacement exceptionnel du souverain pontife, la célébration religieuse s'est déroulée dans l'enceinte du mythique stade Vélodrome de Marseille devant une soixantaine d'évêques et les quelques 57 000 fidèles présents, parmi lesquels se trouvaient notamment les bénévoles du diocèse de Marseille qui ont aidé à l'organisation et au bon déroulé des rencontres méditerranéennes, rapporte Le Monde. Si sa venue avait fait débat auprès de la classe politique, Emmanuel Macron était bien présent et accompagné de son épouse, Brigitte Macron. Un peu plus tôt dans la journée, le couple présidentiel avait d'ailleurs accueilli en personne le pape François lors de son arrivée au palais du Pharaon. Quant à Elisabeth Borne, qui a accueilli le souverain pontife sur le tarmac marseillais, elle n'aurait visiblement pas assisté à la célébration, contrairement à Gérald Darmanin qui était à leur côté ce samedi 23 septembre et pour cause, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est également en charge des cultes. Également présente en tribune officielle, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, a quant à elle pu échanger quelques mots avec le pape François à l'issue de cette célébration XXL. Sxa Brigitte Macron, Gad Elmaleh, Michel Thor, du beau monde à la messe du pape François à Marseille et Gad Elmaleh en chauffeur de salle. Si seuls les fidèles munis d'une invitation ont pu assister à cette messe du pape François, les organisateurs avaient tout de même recommandé d'arriver en avance. Bien évidemment soumis à des contrôles de sécurité, les accès au stade Vélodrome ont ouvert sur les coups de 13h, rapporte Le Monde, alors que le pontife n'a fait son entrée à bord de la Papa Mobile que 3h plus tard. Pour patienter, les fidèles ont toutefois pu compter sur la présence de l'humoriste Gad Elmaleh et du chanteur Grégoire. Si, elle, n'est pas montée sur scène, la chanteuse Michèle Thora, quant à elle, était aperçue en tribune. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Dominique Jacovide. Tears.